magasin Innovation dans la même rue en 1967. À l'époque, le feu avait pris en pleine journée. Le bilan avait donc été très lourd avec quelques 300 morts. Le scénario, évidemment, ici est différent cette fois, mais comme à l'époque, vous allez voir que le problème de l'accès des pompiers sur les lieux s'est à nouveau posé. Loïc Parmentier, Vincent Wilbert. C'est l'un des plus graves incendies qu'a connu la Belgique. Le 22 mai 67, l'INO est en feu. C'était l'heure du déjeuner, du changement d'équipe, du personnel. Des scènes atroces allaient se dérouler dans le grand magasin. Le brasier prenait une extension épouvantable avec une vitesse vertigineuse. Et déjà, à l'époque, les pompiers ont connu un problème d'accès. 45 ans plus tard, c'est toujours la même rengaine. À chaque incendie, dans le quartier commerçant de la rue Neuve, les pompiers le savent. Leur intervention sera délicate. On n'a pas d'accès direct. C'est le porte-parole des pompiers de Bruxelles qui nous emmène et nous explique. Et pour mieux comprendre, prenons un peu de hauteur. Le bâtiment en feu hier soir se trouve au beau milieu d'un îlot. Les camions des pompiers ne peuvent se garer que dans la rue Neuve ou dans la rue d'Argent, à l'arrière. Mais ils sont encore loin, à plus de 100 mètres des flammes. De part et d'autre, les pompiers ont dû monter, puis partir vers l'intérieur, pour accéder au chantier. C'est de cette manière-là que c'était très difficile d'accès. Bien sûr, toutes les enseignes commerciales présentes respectent les normes européennes en matière d'accès pour les pompiers, mais la difficulté d'intervention est bel et bien une réalité. Il y a toujours un problème pour cet accès. On a utilisé dans tout le centre-ville et surtout dans les quartiers commerciaux, on a utilisé toute la surface disponible. Le constat est là et pour l'heure, incendie ou pas, rien ne changera dans la législation et dans les difficultés que connaissent les pompiers dans leur intervention. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire ce midi sur cet incendie spectaculaire à Bruxelles. Toutes ces images sont à retrouver sur notre site internet rtlinfo.be et vous pouvez aussi bien sûr y déposer les vôtres si vous en possédez. Autre incendie impressionnant, c'était ce matin à Grimbergen le long du canal.